Allez, c'est parti. On démarre au kilomètre zéro à Nevers, donc où il y a un petit port, voilà, pour débarquer. Première journée, go. Bon ben là, on a roulé, je sais pas, je dirais 45 minutes à peu près, donc à quelques kilomètres du départ. Et donc on va aller en direction de Cuffy. C'est là où démarre réellement la Loire à vélo. Donc c'est parti. Donc là, on arrive au pont canal qui est, en fait, c'est le canal qui va passer par-dessus l'Allier. Voilà. Alors voilà, donc là, il y a l'Allier dessous. Hop. C'est vraiment super beau. C'est impressionnant parce que du coup, le pont est vraiment très très long. Il doit faire, je sais pas, peut-être 200 mètres. Donc voilà, super. Voilà, un plan sur la pizza, c'est bien. Alors Polo, on a fait combien de kilomètres ce matin? 13. Waouh! Et déjà la dalle. C'est bientôt à l'océan du coup. Plus que 620. Allez, décompte lancé. Chantilly, moi. Bulle. Tu veux de la chantilly, toi? Alors là, on est au bec d'Allier. C'est donc un endroit où on peut voir le démarrage de la Loire avec un point de vue et tout ça. Donc, voilà. Bon bah voilà, depuis qu'on est parti du resto, c'est plutôt des lignes droites très 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 longues et puis on a le vent en face, donc peut-on dire qu'on roule pas très vite. Là on arrive à un très joli village où on voit un super beau pont, muraille, etc. Donc on pense que c'est la Charité sur Loire. Bon ben là il nous reste 13 km à peu près avant d'arriver au camping à Sancerre. Voilà, on a hâte que ça se termine la journée parce qu'on a que le vent en face depuis le début. Un peu fatiguant. Il y en a des bébés. Trop mignon. Trop chaud. C'est un petit peu. Ouais, 3,5 km du camping. Wouhou. Il nous reste 12 minutes. Ouais, trop bien. La joie. C'est joli là. Alors là, c'est les vignobles et le village de Sancerre. Donc voilà, très connu pour du bon vin. On ira peut-être y faire un tour ce soir s'il pleut pas. On va voir. Salut les vaches! Comment il fait ça bien? Coucou les filles! Coucou! Ça va là-dedans? Vous êtes bien? Bon bah ça y est, on est au premier camping, donc premier soir. On est à Saint-Satur, c'est à côté de Sancerre. Voilà, un village où on fait du vin. Et en fait, on a tellement la flemme de monter au village parce qu'il est perché à 300 mètres d'altitude. Voilà, donc on reste au camping. On a tout ce qu'il faut. La bière, les cacahuètes. De grosses cacahuètes. Donc voilà, on est bien installé. Et donc demain, on a une étape de 60 km prévu. Voilà, donc en espérant que ce soit pas aussi monotone qu'aujourd'hui, parce que c'était pas ouf, c'était des paysages très droits, très plats, mais c'était joli quand même. Allez, à demain. Ça y est, on est le matin du deuxième jour, donc on vient de se réveiller, on a de la chance, ils avaient prévu de la pluie et finalement il fait gris mais il pleut pas.
Donc on va pouvoir partir un petit peu plus tôt. On prend le temps de petit déjeuner. On n'a pas encore grand-chose, mis à part quelques barres de céréales et des compotes, mais ça va le faire et on s'arrêtera sûrement dans la matinée. Ça y est, on est parti, deuxième jour. Donc on part de Sancerre. Il est quelle heure, Fanny ? Il est 9h45. Donc 9h45. Petite journée aujourd'hui d'acclimatation, on doit faire 60 bornes. Et je pense que ça va bien se passer. Déjà, on a beaucoup de chance, on commence sous un beau soleil. Il fait pas trop chaud en même temps. Au top. Alors ça fait une vingtaine de kilomètres qu'on est parti. La route est un petit peu monotone au milieu des champs. Par contre, il fait beau, donc ça c'est cool. Et on arrive actuellement à la centrale de Belleville avec une seule cheminée qui fonctionne. On longe des petits canaux. Fanny, comment ça va ? Ça va. Voilà. On a trouvé un petit sous-bois pour faire courir les chiennes. Elles vont pouvoir se dépenser et on sera tranquille pour la journée. Allez, devant. Jules, t'es prête? 3, 2, 1, go! Mais elle va trop vite, cette chienne! Allez, passe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, Bubu! Allez, Bubu! Alors, deux poids, deux mesures. Fanny, follow. Toujours. Bon, maintenant, on s'est arrêté manger à une espèce de petite cabane au bord de l'eau. Et on est au pont-canal de Briard, qu'on va passer tout à l'heure après manger. Voilà, donc pont-canal qui fait 600 mètres de long et c'est le plus long d'Europe. Bisous. Les repas diététiques selon Fanny. C'est très diète. Donc un peu plus de 3h30 qu'on roule, 54 km fait. Alors on n'est plus trop sur des pistes cyclables, là on est vraiment sur la route. Tape des grosses montées et avec le chargement et les deux chaînes à l'arrière, bah franchement c'est pas évident, obligé de se mettre en danseuse, c'est pas forcément facile. Après sur les parties plates ça roule plutôt pas mal, donc on va essayer de rejoindre le camping et on se fait dépasser par pas mal de voitures et de camions, donc c'est un petit peu dangereux. On arrive dans la ville de Gien. On avait prévu initialement de s'arrêter ici, mais on a finalement décidé de poursuivre un petit peu plus loin pour aller jusqu'à la ville de Sully. On arrive au château de Sully-sur-Loire. À 17h pile. Bon les filles, qu'est-ce que vous pensez du château? Bien? Qu'est-ce que tu penses du château? Ça te va? Tu abois? Bien? Abois. C'est bien. Voilà, on démarre le jour 3. Donc on vient de partir là de Sully-sur-Loire.
Donc c'était le village avec le premier château. Quoi ? Rien. Et donc voilà, le camping était par contre pas top, il y avait beaucoup de bruit, ça a fait la fête jusqu'à à peu près 5h30 du mat. Donc voilà, c'est parti. Ah ouais, c'est des ouf. Descendre toute la Loire en kayak, faut être motivé. Les jambes, les genoux, ça défonce. Bon, on passe dans un bois piégé, donc on peut pas sortir les chiennes, mais par contre c'est super joli, il y a plein de gens qui ont des cabanes. Enfin, c'est trop cool quoi. Alors, je crois qu'on est arrivé à Châteauneuf-sur-Loire, je suis pas certaine. Mais d'après mon plan, ça devrait être ça. Allez, bientôt Orléans. Plus que quelques kilomètres. Et voilà. Oh yeah, c'est trop beau. Préfecture. On va peut-être prendre à droite. Et voilà la place de la cathédrale d'Orléans. On y est enfin. Et Polo, il est tout petit devant. C'est trop beau. C'est vraiment super joli. Voilà. Yeah. Voilà, il nous reste 8 km avant le camping. Bon, on l'aura bien mérité parce qu'il fait super chaud. C'est horrible. Stop. Non, pèse, ne mange pas. Allez, Bulle. Oui. Oui. Oui, Bulle. Pèse, viens. Allez, allez. Ça va? Arrête de faire la gueule. Et voilà notre petit camping du soir. On est à Beaugency. C'est une ville avec un château, mais on ne voit pas du camping. Ça va être reposant, je pense, ça va faire du bien. Petite vidéo d'apéro. Alors voilà notre spot apéro pour la soirée. La petite paillade du camping. Alors Polo, bilan de cette journée. Le meilleur moment arrive. Le meilleur moment, c'est le burger. Squatteuse, Paz. Paz, qu'est-ce que tu fais là, Paz? Nous permettre de bien pédaler ce matin. On est sur une partie pas forcément cool. Un pont avec des voitures qui nous frôlent de tous les côtés. Hier, on a été voir le château de Beaugency, c'était assez sympa. Et voilà, on arrive à Blois, où on va essayer, enfin Polo va essayer de passer au Décathlon, parce qu'il a son bouclier qui se dégonfle, le pauvre.
Bon, ce midi, on est à Blois. Donc, on a dû faire un petit détour dans la ville pour que Polo aille à Décathlon, puisque son matelas et il se dégonflait tout seul. Voilà, donc c'est l'occasion de se faire un petit resto. Aucun lien avec mon poids, non. Il s'est gonflé tout seul. La relou. Bye bye Blois. Wouhou. Bon, c'est pas bien ce qu'on fait, mais on se retrouve à dévier de l'itinéraire officiel de la Loire à vélo parce qu'il y avait trop de côtes. Et du coup, avec notre chargement, on n'a pas peur de pouvoir passer. Donc, on a peur, pardon. Donc voilà, on se retrouve en plein milieu de la campagne. On est à Chaumont-sur-Loire. Le château. Nous voilà au milieu des vignobles. Bon, par contre, pour gagner ce joli paysage, il faut se taper une côte de malade qu'on vient de se taper. Et voilà notre petit camping du soir. Et Polo fait un peu d'entretien sur les vélos qui morflent. Bon, c'est parti, on démarre le jour 5. Donc pour une fois, on commence tôt. C'est-à-dire qu'il est 8h30 et on est déjà sur les vélos. Donc aujourd'hui, on va en direction de Tours. On va aller visiter la ville, on va aller au truc de... Merde, je sais plus, le camping là. À Cyclab, pardon, truc de vélo. Et voilà, et puis après on a, je sais pas, je dirais entre 70 et 80 km à faire aujourd'hui. Voilà. Petit lavoir. Et voilà, on est au milieu des vignes. On est à Chargé. Drôle de nom de village. Nous voilà dans la ville d'Amboise. Donc on a grimpé pas mal en haut des coteaux pour pouvoir arriver ici. Trop mimi. Bon je viens de me casser la gueule. Ah dégueu. Ah un gros rat. En changeant les vitesses. Donc mon vélo va avoir droit à un check-up parce que je déraille tout le temps. On traverse le vignoble de Touraine et il y a vachement de touristes alors qu'il est 10h du mat. Mais il faut dire que c'est chouette, c'est à voir. Bon, ça fait 2 heures qu'on est parti et on a dû trouver une petite pharmacie car Fanny a chuté. J'ai dû faire un petit écart pour éviter quelqu'un, elle était un petit peu trop près derrière moi, elle n'a pas pu anticiper et du coup elle est tombée, elle s'est un petit peu ouvert le genou, donc on attend de voir ce que va dire la pharmacienne pour voir s'il faut l'emmener aux urgences à Tours pour faire quelques points ou si ça va aller. Voilà, on voit ça, on attend ça de suite. Bon, ça y est, j'ai retrouvé Fanny. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas la peine d'aller aux urgences. Elle a eu le droit à un joli pansement. Et il va falloir mettre des strips et désinfecter. Ça va. Y a un petit mot Fanny sur les blessures de guerre. Pas de mot, pas de mot. Bon, on arrive à Tours. Ici, je sais pas, 5 km à peu près. Vous voyez là, les clochers tout à l'heure. Bill? Mmh.
Alors c'est joli, mais ça fait super mal au cul. C'est pas très sympa de pas avoir pensé aux cyclistes. Aïe. Ça y est, on arrive enfin au village de Bréhémont. C'est le village où on va camper. Voilà, bah, la route c'est bien de la merde parce qu'on est sur des routes qui sont quand même assez passantes et c'est le tracé officiel, donc pas terrible. Alors il y en a un qui va à la piscine pendant que nous on prend l'apéro. Ça va bien? Une copine. Crevé. Et voilà le petit repas au camping à côté de la piscine et avec vue sur les chiens. Bon bah c'est parti pour une sixième journée de voyage. Aujourd'hui je pense qu'on va arriver sur Saumur. Oui, on va même passer Saumur. Voilà, c'est parti. Petite balade matinale à Rigny-Ussé où on va aller voir un petit château. Et voilà le château. Ouais, c'est vraiment trop cool. Ils ont leur propre église et le château qui est juste là-bas. Juste parce que c'est trop beau. Tadam. Polo devant le château. C'est mon château. Hein ? C'est mon château. C'est ton château. Alors, ça fait quoi de manger de la pastèque ? Ça fait du bien. Bon voilà. On fait une petite pause dans un village. Je sais plus comment ça s'appelle. Savigny. Voilà. Ah, il y a presque plus d'eau. C'est triste. Très vieux château. Tout carré. C'est peut-être l'entrée dans Saumur. Bah là, on est à Saumur. Voilà, un repas extrêmement diététique, des tacos. Comme ça, on va pouvoir bien rouler en plein soleil cet après-midi. Et nous voilà sur la jolie place principale de Saumur. Pause Magnum. Je vois que tu me filmes, mais j'ai de la bouffe dans la main. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que t'as tout le temps de la bouffe dans les mains. Alors, session VTT depuis une dizaine de bornes. C'est trop crevant. Village de Saint-Clement-des-Lauvés. Bon bah finalement on va reprendre la route parce que c'est vraiment trop galère, c'est une piste de merde au bord de l'eau. Planning. Alors on a un whippet qui dort dans les feuilles d'arbres, ce qui est assez rare parce que d'habitude ils aiment bien le confort ces chiens là. Bulle et tadam, on a trouvé une bouteille ultra locale de Côte du Lion et ça déchire. Alors. Ça y est, on entame notre septième jour de voyage. On vient juste de partir du camping. On va aller traverser un grand pont pour changer de rythme. Et voilà sur le pont. Alors, il n'y a plus du tout d'eau dans la Loire.
c'est sec de chez sec. C'est un truc de fou. On attendait de la pluie désespérément pour cette nuit et là on ressent enfin les premières gouttes. Bon bah ce matin c'est une matinée un peu compliquée parce qu'il fait très très lourd, il pleut et on a ultra chaud. Voilà, donc en plus Polo a eu des problèmes sur ses freins et moi j'ai eu deux fois des vertiges. En fait on était obligé de s'arrêter tout le temps. Voilà. Ah, voilà un champ de bœufs, si c'est pas magnifique. Alors, t'as chaud? Douce chambre. C'est fou, on n'en voit jamais par chez nous. Ici, il n'y en a pas. Allez Polo! Moi je regarde bien sûr. Faudrait surtout pas que je m'explique. Alors Paz, c'était bien ton plongeon? Waouh, quel homme! Quelle force! Décidément ici, il y en a des voitures cramées. Alors on vient de passer une ardoiserie, donc c'est un endroit dans lequel on prélève de l'ardoise. Voilà, on a l'impression que le paysage est complètement brûlé, mais en fait c'est juste noir. Et voilà, notre repas du midi de Crève-la-Dalle arrivé dans un centre-ville. Donc bilan sur ce qu'on a vu de la ville d'Angers. Pourri. Pourri. Enfin une jolie vue d'Angers. Ouais, bon, je sais pas si on voit bien. Et voilà, on quitte cette ville de fou. C'est super mal indiqué, c'est l'horreur. Donc on avait hâte de partir. Je crois que c'était. Alors, quelle journée? Comment tu l'as trouvé? En fait, ils m'entendent quelque chose. C'est vrai? Ah oui. Polo, apprenti cuisinier. Le Nutella, bien entendu. Bulle qui fait sa gardienne. Et Paz, elle doit être là-dedans. Paz? Ouais, bon, en fait, elle dort. Bon bah c'est parti, on démarre une nouvelle journée. Donc on est parti d'un village qui s'appelle Montjean-sur-Loire où il y avait un camping avec piscine, c'était sympa. Là il est 8h30, c'est fait un peu froid pour la première fois du voyage. C'est donc très cool. Et on va en direction de Sainte-Luce-sur-Loire, donc juste avant Nantes. Parce qu'après en fait il n'y a pas de camping sur les 35 km qui suivent Nantes. Voilà, donc notre objectif du jour c'est ça. C'est Burning Man. Ah, je vais y aller. Il y a un totem. Ouais, si, on la voit. Waouh. Ah, elles sont trop fortes. On les sort maintenant parce que cet après-midi, il va faire 29, voire même plus. Elle passe sur place. Ah
près de Nantes. Il va nous rester une petite heure. Allez, on vient de passer Saint-Cloud-sur-Loire, on arrive sur Nantes et on a faim. Et ça y est, on est aux machines de l'île de Nantes. Enfin. Bon, bien. Pas trop mouillé? Waouh, l'énorme bateau. Oui. Voilà. Bon ben voilà, on se retrouve à manger à la cantine à Nantes, un de nos lieux favoris sur Terre. Les chiennes sont là-bas, tout sage. Bon ben voilà, le tracé de la Loire à vélo nous fait passer par là pour aller prendre le bac. C'est vraiment pas top comme route quoi. Bon ben voilà, on est au Couëron, c'est en face du Pèlerin. Donc on va prendre le bac gratuit quand on va partir là. Donc faut attendre qu'il parte et qu'il revienne. Plus visiblement. Alors, laquelle sera courageuse pour prendre la mûre? Non. Elles ont pas compris que c'était bon. Ouais, ça y est, on arrive au camping. Wouhou. Et voilà notre campement pour la soirée. Camping du Migron. Oui, effectivement, il y a tout l'itinéraire sur la table. Yeah, petit apéro. Alors, après cette journée de 103 km, comment tu te sens? Rincé. Rincé. Santé. Donc voilà. Très saine. Bon bah c'est parti pour une nouvelle journée. Donc finalement en fait hier on a fait un changement de programme. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Nantes super tôt, vers 13h. Et du coup on a décidé de faire les 35 km de plus jusqu'au prochain camping. Voilà, ce qui veut dire que là dans les 30 km on est à l'océan. Ça sera la fin du coup de la Loire à vélo. Et puis après ben, on va se payer du bon temps pendant quelques jours au Sherwood. Allez, c'est parti. Ça y est, on arrive à l'estuaire, donc il nous reste une dizaine de bornes et puis on est à l'océan, ça y est. Donc on a quitté le tracé officiel de la Loire à vélo, parce que ça passait dans les terres, ça ne nous intéressait pas. Donc là on a rejoint la Vélodyssée, qu'on a déjà faite du coup. Ça sent l'océan. Descendre des filets pour pêcher les poissons. Et derrière, c'est le pont de Saint-Nazaire. Là, on voit bien le pont de Saint-Nazaire. On l'a passé une fois avec Polo, avec les vélos, mais chargé dans une navette. Parce que sinon, c'était super dangereux.
Voilà. Et voilà, en face, on voit les chantiers navals de Saint-Nazaire. Et à gauche, c'est l'océan. Notre spot de pause du midi. Coucou Bulle. Mais ouais, c'est trop beau. N'est-ce pas? Et voilà, dernier camping avant d'arriver au Sherwood. On est à, je sais plus, je crois que c'est Bourg-Neuf en Retz. Bon bref. Je fais mon documentaire. Allez, plonge. Waouh, quelle classe. On se croirait en Camargue. Bon, bah aujourd'hui, petite étape, enfin petite entre guillemets, d'à peu près une quarantaine de kilomètres. Et on va au Sherwood, à Notre-Dame-de-Mont. Ouais. Alors ici on est dans une zone de parc à huîtres. Il y en a deux partout. Et beaucoup de vent aussi. Donc on en chie. Il y a tellement de vent qu'on dirait que les éoliennes vont nous tomber dessus. Et ben voilà, on est arrivé à Notre-Dame-de-Mont, donc on est obligé d'attendre dans une pizzeria et de boire des cocktails avant que la location ne soit ouverte à 14h30. Voilà, pas d'autre choix. Quelle torture. C'est parti! Allô, allô, allô. Ah, la petite bombe! Ah, c'est bien ma petite bombe! Allez! C'est parti, on va filmer les débuts de Polo en planche à voile. Donc, première fois qu'il en fait. Il est en jeune fluo. Pas trop peur? Yes, là tu prends de la vitesse pour l'eau. Ça démarre doucement, mais ça démarre bien. Nul, cherche. Ça dessus. Non, non, stop. Bon, bah c'est reparti après presque 3 jours de pause à Notre-Dame-de-Mont. On reprend la route, mais pas pour beaucoup, pour 30 km. Et on va à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Miami Beach. La piscine des oiseaux, c'est trop stylé. Et voilà notre traditionnel petit film de repas. Donc avant dernier repas à la crêperie. Allez, direction notre dernier camping.
arrête. Comme vous l'avez fait bien, chef. Et voilà, le deuxième McDo du voyage. Merci Polo. Et voilà, on a ramené à l'emplacement le véhicule de location pour pouvoir rentrer demain. Donc les vélos sont déjà dedans. On est presque prêts. Faz. Coucou. Ça y est, on est sur le retour. Donc ça fait 2 semaines qu'on est parti. Dans ces 2 semaines, on a pédalé 10 jours pour un total de 780 km. Donc c'est plutôt pas mal avec 60 kg de remorque et à peu près 25 à 30 kg de bagages sur chaque vélo. Logistiquement, c'était un petit peu trop compliqué d'aller prendre le train. Donc ce qu'on a fait, c'est que Fanny a été récupérée un utilitaire à Nantes. Et on fait un aller simple de Nantes jusqu'à Chalon-sur-Saône, où là-bas on récupérera la voiture. Voilà, donc c'est Fanny qui va conduire tout le trajet. Fanny, vos impressions sur cet utilitaire? Ah, je l'adore, je veux l'acheter. Voilà, donc on l'achètera, mais en version camping-car plutôt. On verra. Donc voilà, c'est la fin du voyage et on arrive d'ici 3 petites heures à Chalon-sur-Saône.